des cœurs consolés, des gens qui étaient à terre depuis des dizaines d'années, qui par une seule réunion de prière ont reçu une parole qui les a guéris, qui les a relevés, qui a restauré leur âme. Des cœurs brisés, fracassés par la culpabilité, le regret, la débauche, ont été foudroyés par la parole, foudroyés par l'amour, foudroyés par ta présence, foudroyés par la consolation. Et des têtes qui étaient abaissées en train de m'envoyer la poussière ont été redressées. Tout ça à cause de tes compassions, à cause de ton immense amour, à cause de tes bontés. Oh Père, nous voulons élever la voix et commencer, Père, en soupirant, en abondant, en action de grâce. Assurément, tu es en train de faire un travail extraordinaire de nettoyage, de démolition des mauvaises fondations, de démolition des mauvais dépôts, de démolition des mensonges que le diable avait mis dans les cœurs. Père, à titre personnel, quand j'entends ce que j'entends, quand je réécoute ce que je réécoute, moi-même je me dis juste « Waouh, Dieu nous a fait du bien ». Assurément, tu as envoyé ta parole déjà et ta parole est en train de guérir, de relever, de reconstruire, de restaurer. Ta parole, Seigneur, a un prix inestimable pour nous. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole, tu ne fais rien sans la parole. Voilà pourquoi quand tu visites, c'est toujours par une parole. Ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole en elle était la vie était la lumière des hommes. Ta parole comme un feu dévorant. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Et ta parole est en train de faire tout ça en même temps. Détruire les rochers, les socles, les fondements rocailleux sataniques et en train de tout démolir parce qu'il n'y a rien qui peut résister face au marteau de la parole. Il n'y a aucun lien qui peut résister face à l'épée de la parole. Il n'y a aucune forme de ténèbres, ni de chaîne, ni de saleté qui peut résister face au feu de la parole. Et il n'y a aucune forme de mort dans l'âme, le corps, l'esprit, la vie, la destinée qui peut résister face à la lumière, au feu plutôt de la parole. Et il n'y a aucune forme de ténèbres qui peut résister face à l'éclat de la lumière qu'apporte la parole. Alors, nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. Rama Shatago Pratisa. Oh, Ratemata. Oui, Abba Père. Nous qui sommes connectés en présentiel et à distance, nous voulons commencer par te dire merci en acclamant ton nom pour ta parole. Oh oui, nous acclamons le Dieu qui envoya sa parole, qui l'a envoyée, qui est en train de l'envoyer. Elle n'est pas périmée, elle est possédée par la vie, elle est remplie de vie, de vigueur et de vitalité. Elle est en train de faire le ménage, elle est en train de trancher à l'intérieur entre jointure et moelle. Elle est en train de trancher entre l'âme et l'esprit, elle est en train de faire un nettoyage qu'aucune chirurgie n'est capable de faire. Aucun doigt humain n'est capable d'opérer comme tu opères. Jusqu'au point de séparer, de créer une séparation en ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit pour ne laisser que la dimension spirituelle et nous amener à marcher par l'esprit. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas, Seigneur. Allez vite. Je dois faire une pause et abonder en action de grâce. Quand je vois ce que je vois, quand j'entends les témoignages que j'entends, quand je vois les grâces que tu relâches, les guérisons physiques, les délivrances physiques, les guérisons de l'âme, les guérisons, les cœurs, foudroyés par ton amour, consolés par ta parole, je ne peux pas me taire. Je dois abonder en action de grâce. Matatobre, Ishatakata, Emadobrade, Romashatekebara, Iladobrake, Nando Saka. Ramaketos Kapara, oh la copra inatos keperia. Père, même si on s'était arrêté là et qu'on n'allait pas plus loin,
je serai déjà rempli de gratitude parce que tu as déjà envoyé ta parole et ta parole a déjà commencé à travailler et cette parole déjà m'a fait du bien, cette parole m'a reconstruit. Elle a ouvert mes yeux, elle a consolé mon cœur, elle a guéri mon âme. Cette parole m'a fortifié. Oh, je suis reconnaissant. Cette parole m'a révélé hier que tu es ma source. Ah, ma Père, cette parole est venue renverser les mensonges des forteresses qui me disaient que la raison pour laquelle, ce qui me disait que tant que mon papa n'est pas là, je ne peux pas étudier parce que mon père ne paye pas. Non, si mon père était défaillant, je connais un père qui jamais ne sera défaillant. Si mon employeur ne me paye pas, je connais un employeur et un père qui, lui, n'est le débiteur de personne et il paye toujours ses dettes et que lorsqu'il a dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Oh, tu as réaligné ma pensée, tu as réaligné mon système de pensée, tu as réveillé la conscience du Père. Désormais, je sais que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, quelle que soit la taille de ma destinée, je sais que le pourvoyeur, le Père pourvoira. Il pourvoira pour les personnes. Il pourvoira pour les ressources. Il pourvoira pour les moyens. Il pourvoira pour la vigueur. Il pourvoira pour la force. Il pourvoira pour la sagesse. Il pourvoira pour l'intelligence. Il pourvoira pour la vigueur. Il pourvoira pour l'onction. Il pourvoira pour la sécurité. Il pourvoira pour la protection. Il pourvoira pour la distinction. Il pourvoira pour la faveur divine. Le Père céleste pourvoira pour les portes ouvertes. Oh, je suis reconnaissant. Je ne suis pas seul. Je suis reconnaissant. Plusieurs personnes m'ont quitté, mais le paraclet est resté. Mon espérance de gloire est restée. Ces personnes ne pouvaient pas mener ma vie à accomplir, à manifester la gloire de Dieu. Celui qui devait rester est resté. On l'appelle le paraclet. On l'appelle le Christ. Dieu à l'intérieur de moi. Jésus à l'intérieur de moi. Le paraclet. Oh, ramachete. Ito brakados ke maladie. Remachata komande. Oh, rakana masate la paracote zabara. Oh, rakate malados paraina matosia. Oh, je te dis merci pour cette convocation. Tu es en train de me faire du bien pendant ces 21 jours. Oh, j'avoue même que ma romance, cette romance m'avait manqué. Merci pour les 48 heures. Mais j'avoue que les 21 qui vont finir avec les 48, c'est pimenté, Seigneur. Je suis trop reconnaissant. Oh, je sais que ça incommode certaines personnes, mais les assoiffés sont heureux. Les amoureux sont heureux. Les embrasés sont heureux. Les passionnés sont heureux. Ceux qui te cherchent sont heureux. Ce sont autant d'opportunités de venir abreuver, s'abreuver, étancher la soif. Ah, ma Père, ah, rakanama shata, oh, rakato maliadeza, ah, retopara, ibarata, ibarata, esetea, marokipara, imara, topare, shadabare, imara, mandobre, kinama, roko. Oh, Ratemara Machate Kato, Ramadoske Paradisa, Elamako Prata. Alors, bien-aimé, il y a quelqu'un qui pensait qu'à force d'enseigner la soif, on était en train de perdre notre temps. Oh, l'Esprit est en train de parler de la soif de Dieu depuis tellement de semaines. Quelqu'un pensait qu'on était en train de perdre notre temps. Il passe son temps à le passer à autre chose. Laisse-moi te dire une chose. C'est la première convocation de prière où à midi et le matin, on voit plus de 3000 connexions en direct, mon frère. Ça veut dire que tu as parlé trop vite. Ça t'intéressait peut-être pas, mais laisse-moi te dire une chose. Il y a des milliers de personnes assoiffées. 3000 connexions en direct à midi, mon frère. Entre midi 30 et 13h30. C'est un signe, mon frère. C'est un signe, ma soeur. Quelque chose est en train de se passer dans les cœurs. Une soif a été réveillée. Le diable a échoué. Les moqueurs ont échoué. Le Père est en train de préparer une armée. Le Père est en train de lever un peuple. Oh, il y a de l'espoir pour l'Église. Il y a de l'espoir pour le corps de Christ. Il y a de l'espoir pour la lumière. Il y a une défaite qui attend les ténèbres. Il y a une confusion qui attend les ténèbres. Il y a un éclat qui se prépare. Il y a un réveil qui se prépare.
Il y a un réveil qui se prépare. Une révolution se prépare. Abba Père, nous nous réjouissons en espérance. On avance déjà. Nous nous réjouissons à crédit. Nous rendons grâce à crédit. Nous célébrons à crédit. Nous apprécions à crédit. Nous voyons ce qui arrive et nous te sommes reconnaissants. Abba Père. Ah, rakato pare, imatato pratea, escatapara, o parateka, e matakato sakapare. Seto prete da barokotosea, imaratea ramato, iprato paratea, ishatakapa, o mateketosa, aratamatos kapa, e shataketo, ah oui, bien aimé, bien aimé. Le serviteur de Élie, quand Élie lui a dit, va, monte, dis-moi ce que tu vois. Les 6 premières fois, il a dit, je vois rien. La 7e fois, il a dit, je vois comme une petite pomme de main. C'est-à-dire qu'on attendait la pluie depuis longtemps. On attendait une pluie depuis 3h30, il n'y avait pas de pluie. On attendait une pluie sur la francophonie, on n'en voyait pas. On attendait une pluie sur l'Europe, on ne la voyait pas. Il a dit, monte. Et maintenant, il a dit, je vois. Et moi aussi, je vois une petite pomme de la main. C'est un petit nuage. Dieu a annoncé la pluie sur l'Europe, la pluie sur l'Amérique. La pluie d'un réveil sur des territoires qui n'ont pas connu de réveil, qui sont dans la sécheresse depuis des années, depuis des décennies. On voit l'Afrique visiter. On voit des pays d'Asie visiter. Mais il n'y a rien sur l'Europe. Il n'y a rien sur le monde occidental. Et parfois, je demandais à Dieu, mais pourquoi tu me laisses ici? Moi, j'ai envie d'aller dans les campagnes toutes les semaines, tous les mois. Pourquoi tu me laisses ici? Et j'ai compris. Dieu a dit, il y a une pluie qui doit arriver sur l'Europe. Il y a une pluie qui doit arriver sur l'Amérique. Il y a une pluie qui doit arriver sur la Caraïbe. Il y a une pluie qui doit arriver sur les nations occidentales. Il y a une pluie qui doit arriver. Et pour que cette pluie arrive, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Il faut qu'il y ait des assoiffés. Il faut qu'il y ait des pistes d'atterrissage. Il faut qu'il y ait des passionnés. Qui là-bas, comme Paul et Silas dans la prison. Je ne peux pas aller dans la prison si on ne m'a pas invité. Je dois trouver dans la prison. Ça fait longtemps que cette prison m'agace. Ça fait longtemps que cette prison retient les gens. Ça faisait longtemps que cette prison enfermait des prisonniers. Dieu voulait descendre dans cette prison. Mais il fallait dans cette prison un Paul et un Silas. Des véritables adorateurs, des assoiffés de Dieu. Et il fallait eux dans cette prison. Il fallait eux dans cet endroit. Parce que à travers eux, j'allais me répandre dans toute la prison et les cellules et les portes de tous les prisonniers, de toutes les familles. J'avais besoin d'un peuple là-bas. Voilà pourquoi tu es en France. Voilà pourquoi tu es à Bruxelles. Voilà pourquoi tu es en Europe. Voilà pourquoi tu es en Amérique. Voilà pourquoi tu n'es pas là où tu veux être. Il y a des gens, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Tu as l'impression que être là où tu es comme dans une prison. Tu as l'impression que tu n'es pas là où tu as envie d'être. Mon âme aurait voulu être à tel endroit. Mon âme aurait voulu être au soleil. Mon âme aurait voulu être là-bas. Seigneur, pourquoi tu me gardes ici? Ça ressemble à une prison. Mais laisse-moi te dire une chose. Il est en train de me dire, c'est parce que je dois venir dans ce lieu. J'ai un peuple nombreux. On doit parler de moi en Occident. On doit parler de moi de là où tu es établi. On doit parler de ma visitation. Et j'ai besoin de pistes d'atterrissage. J'ai besoin de cœurs qui me servent de pistes d'atterrissage. J'avais besoin de toi dans ce territoire. Voilà pourquoi tu es là et pas là-bas. J'ai besoin de toi là où tu es. C'est moi qui ai permis que tu sois là. Parce que je vais atterrir à travers toi. Et ce qu'on a dit impossible, ça fait des dizaines de décennies que c'est la sécheresse, qu'il n'y a pas eu de pluie. Mes bien-aimés, cette mobilisation que tu vois, c'est un petit nuage. Et bien-aimés, la raison pour laquelle je suis enthousiaste, c'est pas seulement à cause du nuage, parce que le nuage annonce la pluie, c'est vrai. Mais tu n'es pas enthousiaste seulement à cause du nuage, parce que rappelle-toi, l'Esprit a parlé et il t'a parlé des 3 sortes de personnes dans la vie, les 3 catégories de personnes, ceux qui font en sorte que les choses se passent, ceux qui attendent que les choses se passent et ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé.
Mais bien aimé, je suis excité pour ces 21 jours. Parce que ces 21 jours me positionnent sur la ligne de départ. Pas des gens qui attendent que les choses arrivent ou qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Mais des canaux qui vont faire en sorte que les choses vont arriver à travers eux. Voilà pourquoi je suis excité de participer à cette campagne de 21 jours. Tu feras partie des gens, des hommes, des Philippe, des Esther, des Daniel, des Déborah, des Mardoché, des Joseph, qui feront en sorte que les choses arrivent, qui feront en sorte que les systèmes se prosternent devant le nom de Jésus, qui feront en sorte que les gouvernements se prosternent devant le nom de Jésus. Tu feras partie. Tu ne vas pas seulement constater, c'est toi qui vas transporter. Tu ne vas pas seulement constater, tu seras un des transporteurs d'un réveil, un des transporteurs d'un souffle nouveau, un des transporteurs dans ton territoire, dans ta famille, dans ta ville, dans ton quartier. Tu feras partie des transporteurs, pas de ceux qui vont constater, mais de ceux qui vont transporter. Bienvenue. Tu seras compté parmi les Lévites. Les Lévites, ce sont les personnes qui transportaient l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. On te comptera parmi les hommes et les femmes qui transportent la présence dans les sphères d'influence. On te comptera parmi les hommes et les femmes et les jeunes qui transportent à l'école, à l'université, en entreprise, dans le gouvernement. Ah, tu transportes dans les sphères d'influence, dans la musique, dans le sport, dans le divertissement, dans l'art, dans le cinéma. Je vois des hommes, des transporteurs. Je vois des Lévites, des transporteurs. Oh, ratata, et parakato maladia, et lato preketos parakatosia. Oh bien-aimé, la pluie va venir, mais la pluie va venir à travers toi. Tu seras le canot par lequel la pluie va arroser cette famille, va arroser ce secteur, va arroser cette sphère d'influence, va arroser cette direction, va arroser ce gouvernement. Tu feras partie des canaux par lesquels la pluie va arroser ces écoles, ces universités, ces entreprises. La pluie va arroser, bien-aimé. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de transporter l'arche de l'Éternel, l'arche de la présence manifeste. On l'appelle la gloire, la puissance, l'honneur de Dieu. Je vois des canaux transportés. Je te vois transporteur. Oh, ah, yarama, oh parakata, eskata parakoparia, imatago preketosa, imatato peria, oh shateketo. Oui, je vois des transporteurs de l'arche, l'arche de la présence. Oh, quand tu vas arriver, mon frère, quand tu vas arriver, ma soeur, on dira c'est bizarre, il se passe quelque chose ici. Il y en a qui vont se mettre à pleurer, il y en a qui vont dire je sens quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus envie de pécher, je n'ai plus envie de me souiller. Je n'ai plus envie de me prosterner devant le diable, l'idolâtrie. Je ne sais pas pourquoi. Qui est rentré dans cette pièce? Qui est rentré dans cet endroit? Qui est rentré dans cette entreprise? Qui est rentré dans ce gouvernement? Oh mon frère, ma soeur. Non, ratatapa. Arrêtez-moi. Qui est rentré dans cette église? Qui est rentré dans cette famille? Oh, rakateba. Raparakatopara. Des transporteurs. Des familles pendant des centenaires, des familles plongées dans la sorcellerie, des parents plongés dans la sorcellerie vont voir entrer dans la famille par le mariage avec un frère. Tu vas rentrer avec une sœur dans une famille minée par la sorcellerie. Mais quand toi tu vas rentrer, tu ne vas pas rentrer seulement dans le mariage. Une présence va rentrer. L'arche du salut va rentrer. L'arche de la délivrance va rentrer. L'arche de la conversion à Jésus va rentrer. Ta présence va faire rentrer l'arche. Ta présence va faire rentrer l'arche. L'arche, l'arche. Ils ont besoin de cette présence. Ils ont besoin de cette puissance. Ils ont besoin de cette présence. Ils ont besoin de cette présence. Ils ont besoin. C'est cette présence qui va les amener au salut. C'est cette présence qui va les amener au salut. À la rencontre avec Dieu. Ils vont rencontrer le Dieu que tu as rencontré.
Rabade gado bradada esaka ramache de gaba el na bragodosia e mado barata escata para e recomandosia e brado rama e brade gadosia. Oh mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de te préparer à devenir un transporteur, une transporteuse, transporteur, transporteuse. Ah, 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 quand tu vas arriver, quand tu vas arriver, là, comme quand l'arche de l'Éternel arrivait dans le champ de bataille, les Philistins disaient, oh mon Dieu, ils ont un avantage avec eux. Ils ont un avantage. Ils ont l'arche de la présence. Ils ont la présence avec eux. Cette présence qui a divisé la mer rouge. Et de leur côté, aïe, 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 c'en est fini de nous. C'est ce que le peuple de Jéricho, quand ils ont vu, ils ont dit, oh, aïe, 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 aïe. C'est le Dieu là qui a divisé la mer rouge. C'est le Dieu là qui est ressuscité d'entre les morts. C'est celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts, les abîmes, l'enfer. C'est celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. C'est celui-là qui est avec eux. Aïe, 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 aïe. Oh les gars, ça n'est fini de nous. Il faut jeter les armes. Il faut capituler. Reco paracato para. Iskata parato perea. Ematato perea. Ishane madoka. Ekato ramada. Rekato paraketo. E shalamada. Ropo rakato. E madara baro. Rato raketo mada. Shane barako barreto skarama. I rakato perea. Oh, dans le monde de la sorcellerie, ils vont te voir arriver. Dans le monde de l'occultisme, ils vont te voir arriver. Mais bon aimé, c'est pas toi qu'ils verront. Ils verront arriver une présence. Et Dieu est en train de préparer ce peuple de la présence. Ces transporteurs, ah oui, il est en train de les préparer par cet agenda. Ils vont voir déferler un peuple, une armée. Oh, je les vois, je les perçois. Je les perçois effrayés en disant, oh là 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 là, oh là là. Mais parmi ceux qui disent, oh là là, il y en a qui vont rallier le camp de Jésus. Et les autres seront décimés, les autres seront écrasés. Parce qu'ils ne pourront pas résister face à la présence qui va accompagner ce corps, ce vase de terre, ce vase n'est rien. Mais il y a une présence, il y a une présence, il y a une puissance, il y a un manteau, il y a une grâce, il y a une odeur, une odeur, une odeur qui accompagne un parfum, une atmosphère qui accompagne le vase de terre. Il y a une présence, c'est la glorieuse présence de Dieu. On l'appelle la gloire. Arata. Baraka, Amara, Ashanabara, elle s'apprête, bien aimé, à rentrer dans ta famille, à rentrer, Rakato, Perreketo, Amadato, elle s'apprête à rentrer avec une dimension supérieure, avec une amplitude supérieure, avec un niveau supérieur, une autorité supérieure, une puissance supérieure. Marreteko, Bara, Amashato, Nema. Rake la maro, shalamare na maroko, ele toka paradis kata paro, shale mare na do bere sadero, shora ke mandos kaparade, ora do preketos kapara, oh nous t'accueillons, glorieuse présence de Dieu, rade brekoto paradesia, shalamare ko para, shalabara. Imaro tabarea, eshada tabaro, imabaro kotosa, irlando pretesia, shadebere katose mere. Rekato pre, ilna maratos ke marato ke peria, o rekamantos ke meletose, shale marako pere andes kadabaro. Chakato Malé Barab. Oh, nous accueillons la gloire de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a des transporteurs connectés? Des transporteuses de la présence, de la gloire. Et Ramato, Ibarra, Ebarra, Madra, Osa, Ima, Oratea. Oh, il est là, Maraba. Je vois des Lévites. Je vois des Lévites. Je vois des hommes. Aïe, 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 aïe.
Je vois une armée en train de transporter une arme. Et Godoprata. Et la topraka namanto sekata. Chetebara. Imato baraketo sakabara. Ibroto kebara. Cheketabara. Imato kere yaramatosia. Oparetazia. Est-ce que tu es en train d'acclamer et d'accueillir? Chalemaro. Chalemaro dosé. Maro dosarama. Irato prate. Et la mandos capare. Rocapara. Des transporteurs. Des transporteurs. Les transporteurs sont les pistes d'atterrissage. Les transporteurs. Oh, je les vois. Ah, Ranamatosa. Oh, je les entends. Ils sont en train de marcher à fière allure. Le torse bombé. Ils sont en train. C'est un peuple que je vois. Une armée puissante. Ça fait longtemps que c'est la sécheresse dans les territoires. Je les vois. Ils sont en train d'amener la pluie. La pluie a besoin de passer par eux. Ils sont les portes d'accès. Ils sont les canaux d'accès de la pluie qui vient dans le monde occidental. Parce que, bien aimé, là où le péché avait abondé, la grâce surabondera. La grâce surabondera. La grâce surabondera. Quel que soit le pays où tu es connecté, il y a le péché là-bas. Je t'annonce que la grâce va surabonder. Et tu es en train de te préparer pour être un transporteur. Ah, pas seulement à l'église, non, bien-aimé. Je le vois dans les sphères d'influence. Je le vois dans les directions, dans les gouvernements, dans les écoles, dans les hôpitaux. Je vois des transporteurs de cette présence. Rakato Nama, O Rakatasia, Remako Parata, Eshata. Et toi, tu es heureux parce que tu ne vas pas juste la constater. Tu vas participer à ce qui va arriver. Je vois des gens sur des épaules en train de transporter. Et je lui ai demandé, Seigneur, il transporte quoi? La présence, oui. Mais il vient de me donner une précision. Ésaïe chapitre 9, Latato Brata, verset 5. Il là-bas, il attaque à Tosia. Et Latobra, il n'ando capara. La Bible dit, il est écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Voilà la réponse. La domination. Il est en train de transporter quoi? La domination. Le mot utilisé ici, c'est le mot Misra. Il signifie gouvernement. Il signifie souveraineté. Il signifie royaume. Il signifie règne. Il signifie empire. Il signifie domination. Domination. Domine nation. C'est-à-dire ça impose une domination surnaturelle divine, là où les nations, les Jébusiens, les Phéréziens, les Cananéens, tous ces hyens et les chiens étaient en train de régner. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes connectés à ce programme qui transportent une domination. Et c'est par cette domination qu'ils vont assujettir des royaumes. Comment cela est-il possible? Comment à travers une personne, un royaume, un système peut être assujetti? Si tu ne me crois pas, demande à Joseph en Égypte, demande à Daniel à Babylone, demande à Esther, à Emmanoché à Babylone, à Suse, à bien-aimé. Demande, regarde ce que Dieu a fait à travers un seul homme, appelé Mardoché, une seule femme, appelée Esther, à travers eux, mon frère, ma soeur. C'est tout un empire qui a pris, qui a été transformé. Un empire qui haïssait les Juifs s'est mis à choisir les Juifs à cause de la terreur qui sortait de Mardoché et de l'effroi, de la crainte que l'on avait de Mardoché. Lorsqu'il a été élevé, tout le système a été chamboulé. Les païens sont devenus juifs. Et c'est ça qui a emmené la culture helléniste, c'est-à-dire les juifs d'origine païenne. Mais comment des juifs qui n'étaient pas des païens, les juifs étaient censés rester juifs. Mais quand ils ont été déportés à Babylone, quand ils ont été déportés dans les nations au loin d'Israël, au loin de la terre d'Israël et de Jérusalem,
Il y a des gens qui ont été déportés et qui là-bas n'ont pas subi. Il y a eu des Daniel, il y a eu des Shadrach, il y a eu des Meshach, il y a eu des Abednego, il y a eu des gens, quand ils sont allés là-bas, ils sont allés à l'étranger, pas pour faire métro boulot dodo, ils sont allés chambouler des systèmes, ils sont allés transformer des systèmes. Et c'est à cause de ces gens-là que tu vas voir dans les Écritures. Hein. C'est ça qui explique le fait que tu as des gens qui ont cru au Dieu d'Israël, qui n'étaient pas hébreux. C'était des païens qui sont devenus, qui sont convertis à la religion juive. Mais ils venaient d'où? Ils avaient été impactés par des gens qui étaient immigrés. Et en allant à l'immigration, ils ont produit un retournement. Ils ont transporté la gloire. La gloire a transformé les nations. Oh, je vois des transporteurs. Oh, raté bracata. Oh, mandada marocota pare. Je vois des transporteurs. Ils transportent une domination. Ils transportent un ordre divin. Ils transportent le pouvoir de parler, de transformer des gouvernements, des sphères d'influence, l'éducation, le sport, l'économie, les médias. Oh bien-aimé, élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Et c'est pour ça que Jésus t'a désigné témoin. Il ne t'a pas désigné chrétien. Il t'a désigné témoin. Témoin de sa gloire, témoin de sa puissance, témoin de sa sagesse, témoin où sont les transporteurs. Élève la voix, transporteur. Oh, Maragato Brahandesa de Kapara. Shrenamara. Reketo Ramada Zinama. Remato Pratas Kanamania. Eshete Kepara. Recato maratos que para remato brede secreto chomare isata maro capa. Oh oui, il faut accueillir sur tes épaules, sur tes épaules. C'est assez prophétique, c'est symbolique. Les épaules, ça veut dire que tu transportes un gouvernement à l'intérieur de toi. Tu ne transportes pas une religion, tu transportes une puissance, tu transportes un règne, tu transportes un ordre nouveau, tu transportes le ciel sur la terre. Il se déploie à travers toi. Est-ce que le ciel, est-ce que tu crois à cette parole, mon frère? Élève ton niveau de foi. Tu n'es pas un adolescent, tu n'es pas n'importe qui, tu es un transporteur. Remando braida baroko dos kabara shalabara shalabare dobaro sanama iraka namoto silama renamaro. Nous t'adorons, oh nous t'adorons, iramato kebera. Nous t'accueillons Esprit Saint, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons, chère règne de Dieu. Nous t'accueillons, Esprit Saint. Nous t'accueillons. Oh, gloire de Dieu. Irama. Nous t'accueillons. Esprit Saint, nous t'accueillons. Acclamons-le, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Bienvenue, règne de Dieu. Oh, je transporte un règne. Je transporte la capacité de transformer des nations. Oh, si Mardoché l'a fait, mon frère. Si Mardoché l'a fait. C'était dans l'Ancien Testament. C'était un signe. Si Élie l'a fait, c'était un signe. Si Esther a changé un pays, c'était un signe. Si Joseph a changé un pays, c'était un signe. Si Daniel a influencé plusieurs royaumes, c'était un signe. Esprit Saint, oh, nous t'accueillons. Et Ramachade, Rekamara, Imare, Chade. Esprit, Rakadevara, nous t'accueillons. Oh, oh,
accueillons Rama, Isate, Arama, Gopara. Esprit Saint, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, 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 nous t'acclamons, nous acclamons le règne de Dieu. Nous acclamons le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire la domination de Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Esprit Saint. Nous t'honorons, nous t'honorons, oh, 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 nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, aïe 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 aïe. Ratata Prades Kamaramaro Sate Berema. Oh, 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 nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, nous nous abandonnons à toi, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, 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 nous t'adorons. Reine de Dieu, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, nous te transportons. Oh, Ratapala. Oh, oh. Nous transportons la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la domination de Dieu, l'ordre de Dieu. Dans ta famille, tu transportes l'ordre. Tu transportes la domination dans cette famille qui était gouvernée par des esprits familiaux. Dans ce territoire qui était gouverné par des esprits territoriaux, je vois à travers toi, à travers Philippe, un homme nouveau est venu à Samarie. Tu es ce Philippe, mon frère. Tu es cette Philippe, ma soeur. Rato Breketos Kaparade. Esprit Saint. Chalet Makato Silabaré et Esprit Saint. Nous t'honorons. Oh, nous t'honorons. Rama Chate Labra, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit Saint, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Esprit Saint, Esprit Saint, Zandabra il a recoparé, il a rabâché, il m'a rôdé ça. Yande rakato le mato sa. Esprit Saint, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Ayara d'abaro chalemare. Et Marado, oh, élève la voix, Ramados, Kemaya, adorons-le, adorons-le, accueillons-le, honorons-le, exaltons-le. Oh, dis-lui combien tu es reconnaissant de le transporter. Oui. La pluie va arriver par toi. La pluie va arriver par toi. Ah, ah, là, là, là. Mais bien aimé, tu dois répondre, hein. Il faut que tu exprimes ta foi. Il faut que tu exprimes ton adoration. Il faut que tu exprimes ta contemplation. Il faut que tu exprimes ton accord. Il faut que tu exprimes ton enthousiasme. Il faut que tu exprimes ta gratitude d'avoir été choisi, d'avoir été sélectionné, d'avoir été choisi pour être une piste d'atterrissage de la pluie. La pluie va venir avec ou sans toi, elle va venir. Que le diable veuille ou pas, elle va venir. Que tu crois ou tu ne crois pas, elle va venir. Et il t'accorde seulement l'opportunité, bien-aimé, d'être un canal d'arrivée, d'être un coopérateur, un partenaire de Saint-Esprit pour la manifestation de la pluie. Tu ne seras pas un spectateur. Tu ne te demanderas pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, toi tu diras, on l'a enfanté, on l'avait conçu, on a poussé,
On a poussé jusqu'à ce que les bébés sortent, jusqu'à ce que les enfants sortent, jusqu'à ce que les promesses sortent, les prophéties sortent, le réveil sorte dans mon pays, dans ce pays et dans toute la francophonie. Il y a un réveil qui arrive, il a commencé, on voit des aperçus à gauche et à droite. Le réveil, c'est lorsque le cœur des hommes revient à Dieu, lorsque la soif de Dieu jaillit dans les cœurs. Le réveil commence par la prière du salut, mais ça ne s'arrête pas à la prière du salut, non. C'est lorsque les gens deviennent désireux de l'époux, amoureux de Jésus, passionnés de Jésus, au point de serrer sa parole dans leur cœur et de marcher selon sa parole. Arata et Makatos Paraya. Remachato que verena. Oh, rena ramale lama. Oh, limaroche que te ramasa de ramale. Ramache mara de ramale. Oh, rade la de ramase to kamar. Iparato san alato ramashalade o rakato zamali andaska pare namo o rate la maro shate kana boroto ina maro paradeska ina arato paria kebeleza. Oh, je vois le réveil, je vois la pluie venir, mon frère, je vois la pluie venir, hein. Elle vient dans tous les territoires, elle vient dans tous les pays. Parce qu'aucun pays n'est sauvé. Il y a des pays où les gens vont à l'église tous les dimanches, mais il n'y a pas de convertis. Les églises sont remplies. Le dimanche matin est vide. Les rues sont vides. Les églises sont remplies. Et il n'y a pas de convertis. Il n'y a pas de pays transformé. Il n'y a pas de personnes transformées. Il n'y a pas d'État transformé. Il n'y a pas de direction transformée. Je t'annonce que ça change. Parce qu'un peuple, non pas de allant à l'église, est en train. Non, on ne parlera plus des gens qui vont à l'église. Il y a un peuple de véritables adorateurs. Il y a un peuple de témoins qui se lèvent. Il y a une armée d'assoiffés qui ont contemplé Dieu, qui ont rencontré Dieu, qui ont été foudroyés et qui ne vont pas souvent à l'église pour chanter, mais qui ont été transformés à son image de gloire en gloire. Des gens intègres, des gens aimants, des gens compatissants, des gens diligents, des gens productifs, des gens travailleurs, des gens qui ne se prosterneront pas devant maman, qui ne se prosterneront pas devant des systèmes, qui ne se prosterneront pas devant des grands maîtres, qui ne se prosterneront pas devant des idoles, des hommes et des femmes dans le cœur et tout entier à Dieu. Et quand Dieu les introduit dans les systèmes, comme il a introduit Mardoché, comme il a introduit Déborah, comme il a introduit Esther, comme il a introduit Joseph, comme il a introduit Daniel, comme il a déposé Philippe, ce n'est pas pour aller à l'église, c'est pour transformer les pays, pour transformer les nations. Oh, Kadabrata, ne sous-estime pas ce que Dieu va accomplir à travers toi. Voilà pourquoi il est en train de prendre le temps de soigner tes fondations. Bien-aimé, Marada, Inato Breketo Sapara, Eranda Makotosia, Elato Brakatosia, El Mante Tapara. Oh, nous t'accueillons, gloire de Dieu, nous accueillons le règne de Dieu. Il est déjà en moi, je sais, il est déjà en toi, je sais, mais je te parle de l'accueillir afin d'aller impacter, afin d'aller transformer. Oh, Rakato Bara. Parce que s'il n'est pas avec toi, ces royaumes des ténèbres, ces puissances des ténèbres qui contrôlent les royaumes de ce monde, si tu ne transportes pas le règne de Dieu, si le règne de Dieu ne s'exprime pas par toi, tu ne pourras pas changer le système. Mais il y a des hommes et des femmes qui vont changer le système. Ils vont changer les mentalités. Les pays vont passer de la débauche à la sainteté, de la corruption à l'intégrité. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu as la foi pour croire que toi, tu seras un canal. Mais moi, je crois que je serai un canal à travers lequel les hommes diront, si c'est ça Dieu, je veux ressembler à cet homme, je veux ressembler à cette femme. J'aime comment il parle, j'aime comment il est exemplaire, j'aime comment il est excellent, j'aime comment il est humble, il m'inspire. Je veux que son Dieu soit mon Dieu, je veux aller là où il va. Bien-aimé, élève ton niveau de foi. Arata Parea, Roto Prakata,
Imadobra andesi adobara Esheke doba Ilarare marate ramandose Olili marani dopele aremazote Arama kobri andes kayadabo Oh bien-aimé, on ne dira pas de toi que tu es chrétien, non. Non. On ne dira pas de toi que tu es chrétien. On dirait de toi que tu es Christ. Non, il y en a assez qu'on dise que tu es chrétien. Non, non. On dira, non, on dira, non. Ça, il n'est pas chrétien. On dirait Christ. Dans son caractère, il y a la nature, il y a la compassion. Regarde l'humilité, regarde la bonté. On dirait Christ. Maintenant, regarde l'audace, la sagesse, les œuvres, les accomplissements, l'intelligence. Mon Dieu, regarde, quand il touche, ça devient de l'or. Quand il fait quelque chose, c'est excellent, c'est inspirant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mon Dieu, mais la combinaison d'un lion et de l'agneau, mon Dieu, ça, c'est pas un chrétien. Le chrétien, on en a dans l'église tous les jours. Là, on dira non, c'est un Christ vivant, c'est un Christ visible, c'est un Christ visible. Oh, Abara, Eshatakato. Toi, moi, tu as acclamé. Toi qui as acclamé, tu as compris. Tu as compris qu'on parlait de toi. Tu as compris qu'on parlait de toi. Tu as compris qu'on parlait de toi. Ton acclamation prouve que tu as compris que c'est de toi qu'il s'agit. On dira pas chrétien, on dira c'est un Christ, c'est le Christ visible dans cette époque et dans cette génération. Oh, oh, Rakamandea. Amashado. Notado. Oh, Luta. Esprit Saint, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit Saint, nous t'adorons. Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit Saint, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Radama Chalemara. Nous t'accueillons. Règne de Dieu. Ranama Chateau Keperia. Tu nous escortes et nous accompagnes. Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Tu es le bienvenu. Rama, chale, braté. Esprit Saint, nous t'accueillons. Oh, 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 oh. Oh, oh. Esprit Saint, nous t'accueillons. Raman Sharabaroto Sarama Yare. On a quitté la nouvelle naissance, mon frère. On n'est plus là-bas. Non, c'était juste la ligne de départ. On n'est plus là-bas. On n'est plus à la nouvelle naissance. On n'est plus à donner ma vie à Jésus. On est à la dimension. Je suis contrôlé par l'Esprit. Je suis téléguidé par l'Esprit. Je suis possédé par l'Esprit. Je suis animé de l'Esprit. Je suis instruit par l'Esprit. Je suis conseillé par l'Esprit. Je suis convaincu par l'Esprit. Je suis en train de prier par l'Esprit. Je suis en train de décider par l'Esprit. De discerner par l'Esprit. De choisir par l'Esprit. De m'associer par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. Oh, Rakamatosia. De penser même par l'Esprit. De parler par l'Esprit. De partager par l'Esprit. De convaincre par l'Esprit. Je suis en train de gouverner par l'Esprit. De prendre des décisions par l'Esprit. Un parent de l'Esprit. Un marié de l'Esprit. Un célibataire qui fait vie par l'Esprit. Un enfant qui étudie par l'Esprit. Oh! Rato Rakamata Zata. On ne parle pas de prier. On parle d'opérer par l'Esprit.
On parle d'enfanter par l'Esprit. On parle de travailler par l'Esprit. Étudier par l'Esprit. Choisir des orientations par l'Esprit. Choisir une carrière, une filière par l'Esprit. C'est l'Esprit qui dit, va là. Prends ce livre, étudie ça. Prends cette page de là à là. Oh, radata. Mando bracatos kalema. Oh, ricapara. L'Esprit te dit, le matin, fais comme ça. Ta journée, voilà comment tu vas la planifier. Je veux que tu fasses ça. Tu vas voir ça. Tu choisis ça. Tu décides ça. Tu parles comme ça. Tu écris ça. Oh, des textes de l'Esprit. Des paroles de l'Esprit. Des décisions de l'Esprit. C'est ça dont je parle quand je te parle de transporter le règne de Dieu. Je ne te parle pas d'aller à l'église. Je ne te parle pas de prier. Je te parle d'atteindre la dimension où tout ce que tu es, tout ce que tu fais devient le résultat d'une instruction, devient le résultat d'une communion, devient le résultat d'une direction, un GPS au quotidien. Oh, Mandatobra, il attend. Oh, nous t'accueillons. Une dimension de romance, une dimension de fusion, une dimension de communion où tu demandes à l'Esprit, qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui, Saint-Esprit? Je mets quel type de vêtements? Instruis-moi. Je ne peux même pas m'habiller par hasard. Tout ce que je fais doit être téléguidé par l'Esprit. Waouh! Rapa et mata, raka, beleatos, kapara, namatos et pera. Oh, chate kepara. Qu'est-ce que tu dis pour aujourd'hui? Quel est ton agenda pour aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Quelle est ta direction pour aujourd'hui? Donne-moi aujourd'hui, Père, le pain d'aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dis? Qui je reçois aujourd'hui? Alors s'il te plaît, ne me laisse pas subir l'agenda humain qui m'a été imposé. Je demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je ne parle pas? À qui je consacre mon temps? À qui je ne le consacre pas? Mes conversations, que ce soit des conversations par l'Esprit, de l'Esprit, pas des commérages, pas des disputes, pas des discussions inutiles, pas des discussions de convoitise et d'impudicité. Saint-Esprit, quelles sont les conversations que tu veux pour moi aujourd'hui? Sois le moteur, sois le guide, sois le maître, le commandant en chef de ma vie. Je t'appartiens, exprime-toi à travers moi, vis par moi, vis en moi, choisis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on porte, Seigneur? Où est-ce qu'on va? Arada, il est au capara, il abara la dimension où soudainement une voix te dit, appelle telle personne. Rakato breketo sapara. Et quand tu appelles cette personne, rade paroko tapara. Et la douce, c'est exactement la personne qu'il te fallait atteindre. Oh, oh, matakato seperekata. La vie de l'Esprit. Oh, là où le règne de Dieu est, c'est l'Esprit qui est le commandant en chef. Nous t'accueillons. Esprit Saint. Pranama chate keta. Remato reketosi. Quand tu marches par l'Esprit, quand tu marches par l'Esprit, tu ne sais pas toujours où tu vas, ni pourquoi tu y vas, mais il te dit d'y aller. Quand Pierre, l'ange, le Saint-Esprit plutôt, a parlé à Pierre dans Actes 10, il lui a dit, il y a des gens qui sont venus te voir, ils ont frappé, c'est moi qui les ai envoyés, lève-toi, pars avec eux. Pierre ne savait pas où il allait, mais il allait par l'Esprit. C'est arrivé sur place qu'il a demandé, ok, vous m'avez demandé de venir, je vous écoute. Et pendant qu'il est en train de les entendre parler, l'Esprit maintenant lui explique pourquoi il l'a envoyé là. Oh, la vie de l'Esprit t'attend, mon frère. La vie de l'Esprit t'attend, ma soeur. Ratata. Oh, une vie qui n'a plus rien de hasardeux. Une vie qui n'a plus rien d'approximatif. Une vie qui n'a plus rien de scientifique dont t'attends en essai à gauche. Non, une vie qui est télécommandée depuis le ciel par la voix. Je pensais que quelqu'un allait être enthousiaste. Rabakato para et mando braqueto saparake.
Ishalakato Pretea. Rama Shaleba. Samedi dernier, j'étais en train de prier et j'entends un prénom. Alors je prends mon téléphone et j'envoie un message. J'ai une pensée pour toi. J'ai juste une pensée. J'espère que ça va. J'ai pensé à toi en priant. Et la soeur me répond, oh pasteur, merci, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai dit, waouh, il n'y a que l'esprit qui est capable de faire ça. Barata, barata. Tu ne sais pas pourquoi. Tu obéis à une instruction. Et quand tu as obéi, tu comprends maintenant pourquoi. Il fallait juste communiquer un message d'amour, de bonté, de bienveillance. Alors j'ai dit joyeux anniversaire de la part de l'Esprit, poussé par l'Esprit, inspiré. Ah, c'est la dimension dans laquelle, bien-aimé, la vie de l'Esprit, le règne de Dieu t'accompagne, mon frère, ma soeur. Oh, ta vie ne sera plus conduite par le hasard. Au revoir au tâtonnement, au revoir à l'approximation, au revoir au pygmé douce, parents douces. Tu n'auras plus à faire plouf plouf, non. Quand tu demanderas, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Quels sont tes desseins? Quels sont tes projets? Oh, je t'en supplie, nous t'accueillons afin que tu sois le guide, le maître, le conducteur, le bon berger. Nous t'accueillons. Oh, oh, oh. Esprit Sarata et Mado Bracatis et Marapa. Oh, la dimension où on t'entend, la dimension où on est guidé, la dimension où on est conduit, la dimension où mes choix, mes décisions, mes motifs sont commandés par l'Esprit, la dimension où mon alimentation est commandée par l'Esprit. Mon mariage est commandé par l'Esprit. Mes émotions commandées par l'Esprit. Nous t'accueillons. Il est possible d'atteindre la dimension de la vie de l'Esprit. Il ne te dit pas toujours pourquoi. Il ne te dit même pas. Quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, vers l'endroit que je te montrerai, Abraham était en train d'être conduit par l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est la vie de la protection. La direction de l'Esprit, c'est la direction où il y a la provision. Rama Chateau Kepara. La direction de l'Esprit, c'est la direction de ta protection. Tu as besoin. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore négligent dans mon alimentation, j'étais sincère, mais négligent. J'allais en Martinique, en Guadeloupe, et là-bas, ils ont des yaourts à la goyave. En Afrique, on dit goyave. Ils ont des yaourts tellement délicieux. Alors, je me rappelle, j'allais faire des stocks de yaourts. Quand j'allais en Martinique, je mettais dans mes valises, je revenais en France, tellement c'était délicieux. Parce qu'ils mettent... Alors à l'époque, je voyais ça comme une bénédiction. Je me disais, là-bas, c'est tellement succulent. En vérité, c'est parce que pour là-bas, ils mettent de plus grosses quantités de sucre que pour la métropole. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Mais un jour... Alors que je prenais un yaourt délicieux, la voix m'a arrêté. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de manger? J'ai dit, hein? Qui me parle? Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu manges? Il m'a dit une chose. Le futur se gère de deux manières. Soit par appréhension, soit par anticipation. Tu peux anticiper ou tu peux appréhender. Tu peux décider que le diabète, tu n'auras pas besoin de... Tu peux décider que plus tard, tu n'auras pas besoin de prier que tu te guérisses du diabète.
Parce que tu sais comment t'en préserver. Ou alors tu peux avancer. Puis demain, maintenant, tu vas implorer au Seigneur, miséricorde, guéris-moi. Le futur se gère par anticipation ou par appréhension. Et ce jour-là, j'ai posé le pot, je n'ai plus jamais touché. On peut, même dans son alimentation, être éduqué par l'esprit. Mato kapara inamakotosia. Oh shakapara ilatabara. Il est en train de me dire que tu vas arriver à la dimension, mon frère, ma soeur. Ou quand tu as égaré quelque chose dans ta maison ou quelque part, tu vas, je te donne un signe. Dans ces 21 jours et après les 21 jours, hier, tu remues ciel et terre. Tu demanderas, Seigneur, je demande pardon d'en avoir pas été vigilant. Pardon, s'il te plaît. Aide-moi à retrouver ce que j'ai égaré. Et tu vas être émerveillé de ce que tes pas seront conduits vers un endroit. Pouf, sans chercher, sans tout remuer. La vie de l'esprit sera désormais ton expérience. Ramachandamara. Oh, nous t'accueillons. Ayara, Mara, tu es en train d'accueillir. Quand je te dis d'accueillir le règne, je suis en train de te demander d'accueillir une vie commandée. Une domination reposera sur ses épaules. Un gouvernement. Une vie gouvernée, dominée par l'esprit. Une vie où il te dit, lève-toi et prie maintenant. Engage la prière en esprit. Et quand tu veux prier par l'intelligence, il te dit non, reste en esprit. Reste en esprit. Raté, para, mata, braka. Et toi, tu commences à fatiguer. Mais pourquoi je dois prier en langue? Continue seulement de prier en langue. Oh, rapa, ishate, kapara, ninda, baroko. Esprit Saint, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Ave mashala male, paradamas. Rama Shale Baro Shalabara Rame Kato Salibara Tatea. Une vie de timing précis. Même quand Paul dit, je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. Même quand il dit ça, en vérité, tu ne chantes pas par l'esprit quand tu veux chanter par l'esprit. Tu ne chantes pas par l'intelligence quand tu décides. Non, la dimension du règne, c'est la dimension où tu es en train de prier en esprit, de chanter en esprit, et soudainement, Rabado Sata, Imantuka, Barasha, Lekotoba, Ilama, Ilato, Imando, Ilabara, et ça. Et puis brusquement, à un moment donné maintenant, c'est pas toi, c'est sur son instruction. Tu bascules par l'intelligence. Ramakoto shale kato mandate rayante kato baraye ilana marato. Je veux que tu comprennes que c'est possible. Et c'est la dimension que Dieu te réserve. Des transporteurs du règne. Des transporteurs de la gloire. Ah, ranama shato kebara rekata baroko paradia. Remata to keperia, rame ketos kapara, shale kato mande katosia, remata to keperia, ramade la barado barade katapa, oh shale kana, oh bien aimé, si tu veux cette dimension où tout est timé par l'esprit, il n'y a plus rien de toi, tout dépend de l'esprit, tout est une fonction de l'impulsion de l'esprit, le témoignage de l'esprit. Ta langue est contrôlée par l'esprit. Ta bouche est contrôlée par l'esprit. Ton débit est contrôlé par l'esprit. C'est l'esprit qui te dit à quel moment prier en esprit. Et brusquement, tu sens que tu bascules par l'intelligence. Et après, tu repasses. C'est pas toi qui décide. C'est l'esprit qui a pris le contrôle de ta langue. Je veux que tu demandes à l'esprit cette dimension de gouvernement divin. Une vie commandée. Ah, ce n'est pas pour tout le monde.
Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les assoiffés. C'est pour ceux qui en ont marre de tâtonner. C'est pour ceux qui en ont marre d'être approximatifs. C'est pour ceux qui en ont marre d'être piégés. C'est pour ceux qui en ont marre de prendre des mauvais sentiers. C'est pour ceux qui veulent le GPS. C'est pour ceux qui en ont assez de ramer, comme Pierre a ramé toute la nuit sans recueillir le moindre poisson. Ramacha. C'est pour ceux qui ne veulent plus se confier dans leurs compétences, dans leurs diplômes, dans leurs capacités. Rade Bragato Mandataskaya. Des diplômés, des frères et des parents empêchés toute la nuit sans avoir le moindre poisson. Il y a des poissons, mon frère. Il y a des poissons partout sur la terre. Il y a des provisions partout. La galère est parfois, pas toujours. La galère peut être le signe que Dieu te fait traverser un désert pour un but. Mais la galère peut aussi être un signe de ce que tu n'entends pas. Où aller? Où jeter le filet? Parce que la vérité, ne dis jamais il n'y a pas de poisson. Ne dis jamais il n'y a pas d'argent. Ne dis jamais il n'y a pas de contrat. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. C'est de l'incrédulité. Les poissons sont là. Partout. Madame Pierrette, Monsieur Pierre, il y a des poissons en grosse quantité. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de poissons. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas dans ton filet. Ils sont là. Ils sillonnent la mer. Il y en a partout. Les provisions sont partout. Refuse la voix qui te dit non, c'est dur, la vie est dure. Il n'y a pas d'argent, mon frère. C'est un mensonge de l'enfer. Il y a de l'argent, il y a des provisions, il y a des moyens, il y a des ressources, il y a à manger, il y a à boire, il y a des vêtements, il y a l'abondance là. Mon frère, là où tu te trouves, là où tu es, il y a l'abondance. L'abondance se trouve à la distance d'une direction divine. Voilà pourquoi tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Mais oui, je reconnais. Parfois, avant l'abondance, il te conduit dans les déserts. Voilà pourquoi je dis parfois, tous les déserts ne sont pas des signes que tu n'entends pas Dieu. Il y a des déserts qui sont des signes de la préparation. Il y a des déserts qui sont des signes de des fondations construites. Il y a des déserts qui sont des signes que Dieu est en train de t'enseigner. Il est en train de t'apprendre à dépendre de lui. Il est en train de t'apprendre à être content en toutes circonstances. Il est en train de t'apprendre à être content même quand les eaux sont amères. Il y a des déserts qui sont des éducations spirituelles. Il y a des déserts qui sont des enseignements divins. Il y a des déserts qui sont des plateformes de préparation pour ta destinée. Quand Paul a été sauvé, Dieu l'a envoyé dans le désert d'Arabie. Les déserts sont des lieux de rencontre, de préparation, tu le sais. Voilà pourquoi tous les déserts, mais bien aimé, il y a des déserts qui durent trop longtemps et qui sont des signes d'une incapacité à entendre. Rachakato matatas keto matas kalabasha ramando seyado ramako para yalama. Mais si tu soupires après la vie de l'Esprit, après le règne de l'Esprit, il a promis de ne pas refuser le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il a dit, si vous, Luc 13, verset 13, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste sera-t-il donné le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si tu réclames l'Esprit, le Père ne peut pas refuser l'Esprit. Parce qu'il a promis de ne pas refuser l'Esprit. Au contraire, il veut relâcher l'Esprit. Père, nous voulons la dimension d'une vie de l'Esprit. Une vie commandée par l'Esprit. Une vie où les choix sont guidés par l'Esprit. Je ne sais pas toujours, je n'ai pas souvent d'ailleurs le pourquoi. Mais je sais que c'est toi qui conduis. Parce que je marche sur ta parole, sur une instruction. Après, je comprendrai. Parfois, je comprendrai après.
de quoi tu m'as préservé, pourquoi tu m'as dit de faire ça. Mais je ne demande pas aujourd'hui la grâce de tout connaître et de tout comprendre. Je demande la grâce de marcher par l'Esprit. C'est le secret de ma provision. Il y a des galères qui sont dues au fait que je n'entends pas, tu n'entends pas. Il y a des souffrances qui devraient, qui dans le calendrier de Dieu, sont déjà finies. Dieu avait dit, ça sera 400 ans d'esclavage en Égypte. Israël a pris 430 années. Ils ont donné au diable, à Pharaon, 30 années inutiles d'esclavage supplémentaire qui n'étaient pas dans l'agenda de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas su discerner quand Dieu les a visités pour leur faire du bien. Ils n'ont pas discerné la visitation de Dieu. Alors ils ont pris 40 années supplémentaires. Moïse est venu à 390 ans. Moïse est venu et ils n'ont pas reconnu. Alors Moïse, le libérateur, est devenu un fugitif. Il a fui et il est revenu plusieurs années après. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la personne que Dieu avait envoyée pour les libérer. Ils ont prié, mais quand Dieu est venu, la forme que Dieu a prise, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Ils étaient charnels. Ils attendaient quelqu'un qui ne correspondait pas à la personne que Dieu a envoyée. Voilà comment il y a des souffrances qui sont prolongées inutilement. Il y a des maladies, il y a des tourments, il y a des oppressions qui se perpétuent juste parce que tu as maudit, tu as banalisé une personne que Dieu avait suscitée pour être le canal de ta visitation. Tu n'as pas su discerner Dieu, la voix de Dieu. Rama Shato Kapara, Ikato Malada, Rama Shato Makadeza. Alors nous te supplions, ce soir, Abba Père, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, oh, nous t'implorons, nous t'implorons, Esprit Saint, nous t'implorons, oh, nous t'implorons, délivre-nous du tâtonnement de la cécité spirituelle. Délivre-nous de l'ignorance, la méconnaissance de tes voix. Délivre-nous des combats inutiles, des combats inutiles. Il y a des combats qu'il ne faut pas combattre. Il a dit combat le bon combat de la foi. On ne combat pas tous les combats. On combat les combats que Dieu a dit de combattre. Il y a des gens que tu ne dois pas combattre. Tu dois discerner. Que dit l'Esprit maintenant? Oh, nous t'implorons. Ta destinée dépend de ta capacité à vivre le règne d'une vie gouvernée par l'Esprit. À quel moment dois-je rester opposant? À quel moment dois-je rejoindre un parti politique déjà en place? Que dis-tu? Dois-je m'opposer? Dois-je me rallier? Dois-je condamner le système? Dois-je entrer à l'intérieur du système comme Joseph? Dans un système pharaonique, satanique? Si tu vas en tant que chrétien, avec tes préjugés, tu es capable de rater ta destinée dans la politique. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je travaille avec des chrétiens. Dans un parti chrétien. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Je demande une vie gouvernée par toi. Je demande que tu m'instruis selon ta promesse. Que tu me montres la voie que je dois suivre. Que tu me conseilles et que tu veilles sur moi. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas connecter, m'associer avec qui tu n'as pas approuvé. Ne me laisse pas, comme Pierre a failli rater la voie de Dieu, m'appuyer sur mon éducation. L'Esprit lui a dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit non. Moi, dans mon éducation, on ne mange pas ce qui est souillé.
J'ai des principes familiaux qu'on m'a, inculqué dans ma jeunesse. Dans ma famille, on m'a appris ça. Pierre, tu et mange. Non, Seigneur. Pierre, tu et mange. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui entendent la voix qui dit tu et mange. Nous t'implorons afin de ne pas rater les instructions divines. Ratapara, parce que si Pierre avait raté cette instruction, il aurait retenu le salut des païens, donc des non-juifs. Il était la porte pour le salut des non-juifs. S'il avait désobéi, les non-juifs n'auraient pas écouté l'évangile. C'est à travers Corneille, si on exclut l'eunuque éthiopien, c'est à travers Corneille. Rachato Kepara. C'est là qu'ils ont activé le mandat missionnaire. C'est à travers la conversion de Corneille dans Actes chapitre 10. Fais-nous grâce d'entendre cette voix. Tu et mange. Parce que de notre obéissance dépend le salut de multitudes. Oh, nous t'implorons. Écoute-moi, l'Esprit est en train de me dire. L'Esprit est en train de me dire. Il y a beaucoup de gens que l'Esprit ne veut pas guérir alors qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce que quand ils sont malades, ils prient pour eux. À plus d'une reprise, Dieu leur a parlé. Va faire le bien à telle personne. Va évangéliser telle personne. Ou alors parle juste de mon amour. Donne juste un témoignage. Oh non, je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Et parce que tu n'as pas osé, il y a quelqu'un qui n'a pas été exposé à ce son et qui n'a pas eu l'occasion de dire Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ce n'est pas à toi de déterminer qui va accepter, qui ne va pas accepter. Ta responsabilité, c'est de parler. Mais chaque fois que tu as désobéi, tu n'as pas réalisé. Pour toi, c'est rien. Oh non, c'est bon, je n'ai pas osé. Mais pour Dieu, il y a quelqu'un. Il y a un eunuque éthiopien. Non, pas éthiopien. Il y a un centenier plutôt. Il y a un centenier romain, païen, qui avait l'occasion d'écouter ce que tu avais à lui dire. Parce que Dieu voulait lui parler. Et quand tu ne lui as pas parlé, tu n'as pas senti la conviction de péché parce que tu t'es habitué à ne pas parler. Mais l'esprit a été attristé. Maintenant, le jour où toi, ça ne va pas, tu dis, Seigneur, agis, Seigneur, délivre-moi. Non. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et l'arroseur doit d'abord arroser avant d'être arrosé. Il y a des choses que Dieu ne libère pas. Il y a des choses que ta désobéissance, ton hésitation, ta résistance, ta réticence retient. Voilà pourquoi je t'en supplie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je veux une vie gouvernée par l'Esprit. Je ne veux pas seulement que tu sois en moi. Non. Le règne de Dieu. J'ai vu des transporteurs de son règne. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des Christ. Ce sont des Christ. Des transporteurs de son règne. Et il les conduit. Et à travers eux, il va assujettir des royaumes. Il va ébranler des systèmes, instaurer des ordres nouveaux. Ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils vont à l'église le dimanche. Ils vont y aller parce qu'ils transportent le règne. Ils sont commandés par l'Esprit. Ils sont remplis, ils sont conduits et ils sont oints d'Esprit Saint et de puissance. Nous t'implorons. Ragamantos, calabashate ketos, oramantos, kelabahalatosia. Ce soir, nous sommes en train d'intercéder pour l'église. Oh, 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 nous t'implorons, nous intercédons pour l'église, afin que tu nous délivres de l'ordinaire,
L'église n'est pas une institution religieuse. L'église est une institution divine, censée marcher par l'esprit, vivre la vie de l'esprit, opérer dans le surnaturel divin. Oh, l'église n'est pas en train d'opérer comme elle doit opérer, parce qu'elle ne sait pas vivre la vie de l'esprit, parce qu'elle ne sait pas être commandée par l'esprit. Alors elle t'attend exactement comme le monde, mais nous t'implorons. Nous t'implorons, Rama, et c'est que ton brada, Rama, ton kepara, et chata kapara, no berikatosa. Esprit, ayara, la marche, allez. Oh, nous t'implorons, oh, nous t'implorons. Ramachete que tu para, et la manda tu verra, marane mando capara. Une vie commandée par l'esprit. Le règne de Dieu, ce n'est pas donner sa vie à Jésus. Le règne de Dieu, c'est une vie où le Saint-Esprit devient le commandant en chef. Ratata paradea, il conduit mes pas. Reine Maria, il influence mes choix, mes décisions, mes résolutions, mes paroles, mes pensées, mes désirs, mes motivations, commandées par l'Esprit. Oh, Rato para, imado que pratus que para, Esprit Saint. Oh! Je parle maintenant au Kébara. Oh, nous t'implorons. Nous t'implorons. Esprit Saint et la Mano. Oh, Rama, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit. Ça dépend des circonstances. Mais dans cette saison, mon frère, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit quand le climat est favorable. Il y a une différence entre des climats de persécution comme en Chine et des climats de tolérance religieuse comme dans la plupart des pays occidentaux ou en Afrique ou ailleurs. Mais lorsque tu es dans des pays où il n'y a pas une persécution comme dans les pays arabo-musulmans, lorsqu'il n'y a pas une persécution contre les chrétiens, il y a un océan, un boulevard de possibilités qui t'attend. Il y a une vie qui t'attend. Parce que la capacité de ta lumière à briller dépend également de la coloration des ténèbres qui recouvrent le pays. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour le pays. On doit prier pour les nations. Parce que notre propre prospérité en dépend. Mais dans le pays où tu es connecté, là où tu m'entends, si tu n'es pas dans un pays où il y a la persécution, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir et d'accomplir. Il n'y a aucune limite. Si seulement tu sais te laisser gouverner par l'Esprit pour l'accomplissement de ses projets à qui il a formé sur toi. Et il ne dit pas des projets, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Non, il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet taillé sur mesure. Pour vous donner un avenir. De l'espérance. Mais ça nécessite une dimension. Tu vois la nuance? Car je connais les projets que j'ai formés sur, pas pour, sur vous. C'est pour toi et personne d'autre. Chacun a son costume taillé sur mesure qu'il attend. Chacun a une destinée taillée sur mesure qu'il attend. Chacun a une question juste à enfiler, a juste à rentrer à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur et il se meut par l'esprit, sa lumière brille. Mais il faut la voir. Il faut être gouverné. Il faut désirer, pas seulement prier, mais être conduit, vivre la vie de l'esprit. C'est notre prière ce soir. Nous te demandons pour notre pardon, pour notre misère. Mais Père, ne nous laisse pas la dimension de tâtonnement. L'Église n'est pas censée être comme ça. L'Église n'est pas censée être à ce niveau, non. Et nous tous, Père, nous sommes unanimes pour reconnaître que là, quand je lis les Écritures, c'est pas ça l'Église, non. C'est une arche de refuge.
C'est une ère de surnaturel divin, de puissance d'Esprit Saint en permanence. Père, c'est pas ça l'Église. Emmène-nous à la manifestation de l'Église glorieuse, l'Église véritable, l'Église que toi tu construis, pas des hommes, pas des titres, non, pas des, non, 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 pas des pasteurs. L'Église contrôlée, gouvernée par l'Esprit, celle dont l'Esprit est le Seigneur, le commandant en chef. Nous acceptons de nous éclipser, nous tous, pour demander que tu fasses irruption dans les affaires des hommes et que tu prennes le commandement de ces vases de terre. Car il y a là un peuple assoiffé qui réclame la vie de l'Esprit. Rakato Pranea, nous t'implorons. Oh, nous t'implorons. Nous t'implorons, Esprit Saint. Nous t'implorons. Oh, nous t'implorons. Nous t'implorons, Esprit Saint. Nous t'implorons. Ramachate que tu paramatas la barre. Oh, prends une minute pour rendre grâce. Prenons une minute pour rendre grâce. Oh, bien-aimé, il a dit, lorsque nous prions selon sa volonté, il nous entend. Il a entendu la voix de nos supplications. Il a entendu les gémissements de mon cœur et de ton cœur. Il a entendu, il a inspiré cette prière afin de nous donner la grâce de vivre une vie commandée par l'Esprit, où je fais tout par ta voix, Saint-Esprit. Oh, tu as prié, maintenant élève la voix, parce que tu dois croire que maintenant que tu as demandé, apprête-toi à entrer dans cette dimension. Et je te le répète, le signe qu'il va te donner, c'est si tu perds une chose, tu ne vas plus tâtonner. Tu entendras une direction te dire, va à tel endroit, ne remue pas la maison, ne remue pas tout sens dessus, ne remue pas ciel et terre. Et d'ailleurs, je prie pour toi, au nom de Jésus, si tu as perdu quelque chose de précieux, je prie pour toi en 24 heures. Père, si c'est dans la maison qu'il le retrouve, si on l'a volé, qu'on le restitue, qu'on le ramène, je demande, Père, la restitution de ce qui a été volé. Que quelqu'un qui a volé, qui est un voleur professionnel, je déclare et je décrète, quiconque avait volé quelque chose qui t'appartenait, que l'Esprit du Seigneur l'arrête là où il est, qu'il perde la paix qu'il avait, qu'il perde la tranquillité qu'il avait, que son sommeil lui soit arraché, et que le Dieu qui est rentré dans le sommeil de Abimélec pour le menacer, parce qu'il avait pris la femme de Abraham, que le Dieu qui est rentré dans le songe de Abimélec menace, réprime, interpelle les voleurs et leur commande la restitution au nom de Jésus. Je place une demande devant le trône de grâce, Dieu de l'impossible, pour que en 24 heures, avant demain soir minuit, tu donnes un site que tu as visité. La restitution de quelqu'un, quelque chose qui avait été volé, c'est important que cela soit restitué. Donne un signe, Père, parce que tu as dit, tu confirmes la parole de ton serviteur. Donne un signe selon ta parole, afin que des gens rendent témoignage et que ces témoignages viennent authentifier le message. Vienne authentifier la parole de ce jour. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as conduits sur les sentiers de ta volonté et tu nous as exaucés et tu nous prépares à devenir, pas des chrétiens, non, des transporteurs de ton règne, des hommes et des femmes qui vont changer les systèmes. Depuis longtemps, des dizaines d'années, des centaines d'années, ce n'est pas un problème. Des systèmes seront transformés. Des mentalités seront retournées.
Des hommes vont craindre toi parce que de toi va dégager une odeur de crainte de l'Éternel. Rakata brakoto saparama. L'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de terreur de l'Éternel va tellement te saisir et t'inspirer. Je te promets une chose, il y en a qui n'oseront même pas parler contre toi parce qu'il y a des gens contre lesquels on ne parle pas. Il y a des gens, ils sont tellement chargés de la présence de Dieu comme l'était Paul, que si tu mentionnes leur prénom en enfer, aussitôt il y a un châtiment qui t'atteint. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Il y a des gens qu'on appelle oins, et puis il y a des gens que Dieu appelle mes oins. Mes oins à moi. Il y a des gens qui s'appellent oins, et il y a des gens que le ciel dit mes oins. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a osé toucher à la femme de Abraham. Dieu a châtié Abimelech et toute sa maison, il les a frappés. Il y a des gens qui sont intouchables. Que Dieu t'introduise dans la catégorie des gens intouchables. Il y a des gens dont le nom inspire la terreur au diable. Ils sont tellement possédés de Christ. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ont juste atteint la dimension où ce n'est plus eux qui vivent. C'est Christ qui vit par eux. C'est Christ qui vit en eux. Il n'y a plus rien d'eux en eux. Il n'y a plus rien du moi. Il n'y a plus rien de moi, mon ego, ma fierté, mon honneur. Non. Tout par Christ, pour Christ, en Christ et avec Christ. Et ce genre de personnes, si tu mentionnes leur nom dans le monde occulte, ils ont atteint la dimension, les démons disent Jésus on connaît, Paul on connaît. Quand tu mentionnes leur nom, comme ils sont possédés de Christ, c'est comme se dit Jésus. Donc, dès que tu as mentionné leur nom, il y a une présence, un châtiment qui va. Fallait pas toucher. Pas, ne, voilà pourquoi on dit, ne parle pas d'eux. Il ne faut pas mentionner son nom ici. Parce que dès que tu mentionnes son nom, il y a la gloire qui rentre ici. Et quand la gloire rentre, elle vient comme un feu devant, elle vient tout saccager. Alors n'appelle pas son nom. Si tu appelles ce nom-là ici, notre royaume là va prendre feu. Notre cabane là va prendre feu. Notre rassemblement va prendre feu. Oh, que Dieu t'emmène dans cette dimension. Ah, Ratapara Kato Matakedos Kapara. Yate Kapara. Ils m'ont dit, il ne faut pas mentionner son nom. Parce que ce nom est imbibé de Christ. Il est possédé de Christ. Il est chargé d'électricité divine. Dès que tu le mentionnes, une présence vient. Et les ténèbres ne veulent pas cette présence. Alors il ne le mentionne pas. Alors il parle par code. Mais on ne doit pas dire le nom. Abba Père. C'est ta volonté de nous amener à la dimension, pas de la nouvelle naissance, non, de la vie de l'esprit. Merci de ce que tu as entendu. Nos gémissements, la voix de nos supplications, de ce que tu as répondu. Et tu l'as dit, une armée de transporteurs du règne de Dieu, des gens qu'on ne pourra pas arrêter à eux seuls. Des systèmes, regarde à la maison, va étudier Mardoché, va étudier Joseph, va étudier Daniel, va étudier Esther, va voir, va étudier Philippe à Samarie, comment des hommes ont mis tout sens dessus dessous. Ils ont établi l'ordre divin. Tu feras partie de cette personne, tu feras partie de cette catégorie, au nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ramachatori, amen, amen. 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 Amen.
Dos katabrekando bere adabarasa. Oh, we thank you, we bless you, Lord. In the name of the Lord Jesus, we have prayed with thanksgiving. Thank you. Merci. Tu as entendu. Tu as agréé. Merci, Père. Voilà pourquoi nous sommes enthousiastes. Nous sommes enthousiastes pour le futur. Quel que soit l'état du monde, nous sommes enthousiastes pour le futur. Tes projets parleront. Au nom de Jésus. Père, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience. Père, confirme le signe. Confirme les signes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Excellente soirée dans sa présence. Restons connectés. Bien-aimés, quelque chose est en train de se passer. 3000 connexions le matin, 3000 le matin, 3000 à midi. C'est du jamais vu. Quelque chose se passe. Stay tuned. Reste connecté à ça. Au nom de Jésus. Avant de te déconnecter, mets le pouce, mets le pouce, mets le pouce, et mets les cœurs, et mets le pouce, mets les cœurs, mets le pouce, et mets les cœurs. Excellente soirée à chacun d'entre nous. Et toi, quand tu vas à la maison, mets le pouce, mets le cœur également. Quand tu as fini le culte, mets le pouce et mets le cœur. Amen, amen, amen. Excellente soirée à tous.